Le premier point suivant, comme vous le savez, nous avons installé un contrôle, et le contrôle fait par la police, pourquoi? Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'étrangers qui viennent faire de l'agitation dans des facultés. Ce contrôle a été fait pendant 2 jours. Les professeurs et les étudiants de 2 départements sont venus me voir et m'ont dit nous désirons travailler. Les contestataires nous en empêchent, mais nous les résisterons, nous avons la force morale nécessaire, et nous vous demandons, ont-ils dit, de retirer ce contrôle, de nous laisser faire la preuve que nous pouvons arriver à faire. Sinon, il y a cette ancienne méfiance, les gardes de la police qui portent un corps très horaire, enfin les traditions d'université, et peut-être que la police n'est jamais entrée dans la place. Alors, j'ai estimé qu'il fallait en effet répondre à cet appel de ces professeurs et étudiants qui sont venus voir d'une façon très émouvante. Nous avons décidé, le gouvernement a décidé de lever le contrôle aujourd'hui, ce qui est son droit. Le gouvernement a le droit de faire le contrôle. Il a le droit de le lever, ce n'est pas le contestataire qui en décidera. Mais je devais également expliquer à l'opinion les autres éléments du droit. Le deuxième est le suivant. Un contrôle par la police peut être fait, quand il doit être fait, il le sera, mais ce contrôle ne peut porter que sur une seule chose, limiter l'accès aux étudiants. À l'intérieur, nous ne pouvons rien faire. Conclusion, étant donné certains procédés de violence, de brutalité qui empêchent les cours d'avoir lieu, il nous faut des surveillants, qui sont des surveillants universitaires, qui renforceront les apporteurs à l'école, qui sont tous des hommes recrutés à un certain âge, qui sont tous petits hommes, c'est le deuxième point. Il faut que l'université dispose elle-même des suicides, des apporteurs nécessaires pour maintenir l'ordre, sauf dans les cas de troubles graves. En troisième point, il faut prévenir les étudiants. Les examens et les diplômes ne pourront avoir de valeur que si les études sont faites. S'ils continuent de passer dans les cours, nous ne pourrons pas faire fermer cet examen à la monnaie de diplôme. Tout examen doit être précédé d'une préparation sérieuse qui est au cours de 7 mois. S'il ne commence pas maintenant, c'est bien entendu que la dette sociale est en faute. Il faut qu'il s'en soit prévu. Le quatrième point, j'ai rappelé que si des membres du corps enseignant faisaient grève, la grève est leur droit. Et sont décomptés. Enfin, le cinquième point est important, car je dois le traiter. Les étudiants ont également le droit de travailler, de ne pas étudier. Mais ils ne sont pas qualifiés dans ces conditions pour demander ou pour obtenir des avantages. Quels sont des avantages qui coûtent à la collectivité ou qui détruisent l'égalité? Par exemple, les étudiants ont droit à des bourses. C'est tout à fait normal, je désirais même qu'ils aient davantage. Mais on ne doit pas de bourse que pour travailler, il n'y a pas de raison que les contribuables paient des bourses pour des étudiants qui ne font absolument rien. Ce n'est pas possible. Et je pense que les étudiants doivent d'ailleurs le comprendre. Le deuxième point, je me dis ceci. Normalement, tous les Français font leur service militaire à une date déterminée. La page ouvrière à laquelle les étudiants, certains se réfèrent si souvent, avec une sympathique, je comprends. Mais pas de soucis. Si les étudiants veulent des